qui a dit « Je suis convaincu que la majorité des Flamands est xénophobe ». C'est moi. Ah, t'as ramené un McDo ? Vive la Belgique. Votre expression française préférée ? Jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute, mais l'atterrissage. Votre destination préférée en Wallonie ? Je dirais Liège. C'est là où il y a les escaliers, c'est sympa. La Belgique en un mot. Laboratoire. Vous acceptez tout sauf... Tout sauf le mensonge. Et si on chantait du Sam Gouris ? La tête grasse, ma grouille la tête grasse, ma grouille la tête grasse, ma grouille crête nooit meer af. Le dilemme. Ne plus avoir le plus de bourgmestres en Flandre ou ne plus être au gouvernement flamand ? Je veux garder mes bourgmestres avant tout. Imaginez, vous avez la majorité absolue en Flandre. Quelle est la première mesure que vous prenez ? Je ferai en sorte qu'il y ait plus d'argent qui ira vers d'autres villes et communes que seulement Anvers. Qui a dit ? Vlaanderen is niet intrinsiek racistisch, maar ik ben er wel van overtuigd dat het merendeel van de mensen intrinsiek xénophobisch. Alors c'est moi, et c'est pas seulement le flamand, je pense qu'on est tous, en tant qu'humains, d'un point de vue biologique, on est tous xénophobes dans le sens où on a peur de ce qu'on ne connaît pas. De là l'importance à essayer de surpasser ce qu'on ne connaît pas, essayer d'apprendre à se connaître. Question des lecteurs de Dardar. Quel est votre projet institutionnel pour le pays ? Un projet dans lequel les tensions communautaires sont beaucoup moins importantes qu'elles sont aujourd'hui. Et donc faire en sorte qu'on puisse chacun faire ce qu'on veut, mais dans une union belge. Pronostic. Combien de jours après les élections aura-t-on un gouvernement fédéral ? Alors je dirais moins que 541. On ira pour 200. Et même froid, c'est sympa.